Ça monte bien en vrai, le petit mage, il est 30. En vrai, faut pas que j'aille trop, parce que faut pas que je devance trop les bords. Non mais, en fait, Toine, faut arrêter là-dessus. Je vois pas le. C'est comme me dire, Toine, c'est comme me dire, t'es sponsorisé par les Shadow Legends, toi, mais t'es obligé d'en parler. Hein. Ça marche pas en fait. À partir du moment où la plateforme sur laquelle tu streams, c'est une plateforme de casino, tu auras forcément un rapport plus ou moins direct au casino. Donc, si c'est ton délire, vas-y, mais dans ce que, enfin, par contre, reste pas sur ma chaîne. C'est vraiment, je refuse. Enfin, c'est. Juste, moi, j'ai un principe très simple en tant qu'humain. On nuit pas aux autres. Je sais, hein, c'est un peu fou. Éthique, intégrité, hein, de ces conneries. Le casino nuit aux gens. Je refuse en fait d'accepter qu'une plateforme basée sur la faillite personnelle des gens, financière des gens, nourrisse en fait d'autres personnes. Voilà. C'est-à-dire, ouais, mais t'es utopiste, le monde c'est comme ça, le monde est dur, blablabla, j'en ai rien à foutre. Le monde est dur, très bien. C'est pas pour autant qu'on doit le rendre encore pire. Diamant 12, 8. Ah non, c'est le nom que j'ai, ça, ok. Ah, niveau 40, oui, c'est ça, ok. Alors, je vais commencer à préparer ma spé pour le donjon. Tu veux bientôt être prêt, toi, Lucas, je pense. Ok. Je vais donc respé. Alors. Oula. Te fasse, mais oui, c'est un peu l'idée. Alors, non, même pas, c'est là, c'est. Enfin, c'est l'idée, mais c'est surtout le. Vraiment la volonté de. En fait, si je dois m'enrichir parce que d'autres personnes se ruinent dans un casino, non, en fait. C'est vrai que j'ai du mal avec ça, quoi. J'ai effectivement beaucoup de mal avec ça. Gagner de l'argent, oui, mais. Y a pas un film comme ça, l'argent n'a pas d'odeur. Je suis vraiment pas d'accord avec ça, personnellement. L'argent n'a pas d'odeur. Ah, c'est une expression, excusez-moi. C'est ça, voilà. Cette expression signifie que peu importe comment on le gagne, il permet toujours de s'enrichir. Oui, mais non. L'argent n'a pas d'odeur. Ah, si, si, l'argent a de l'odeur. L'argent, il a l'odeur de te regarder dans le miroir et d'être ou non fier de ce que tu fais, quoi. Est-ce que je prends la Galva ou pas? Je suis ban. Mais non, t'es pas ban. T'as mis un clin d'œil. Par contre, t'as failli avoir un. Tu pourras. Ok, t'as dû écrire un message où il y avait un clin d'œil. Par contre, tu cherches le ban. J'ai pas compris si c'est une blague ou pas, Silver. Il y a 3 PC en giveaway. C'est le bagim. Je comprends pas la blague. Est-ce que je prends la Galva ou pas? En vrai, ouais, même bas level, ça reste quand même très bien. Ouais, ça reste quand même très très bien, même bas level. Non, c'était un compliment. Ah! Oh là, j'ai pas compris. Oh, je suis désolé, j'ai pas du tout compris. Alors, est-ce que l'aspect, elle est prête là? Tac, tac, tac. J'avais pas compris. Ok, ça me paraît pas mal. Ok, alors. Non, effectivement. Non, mais t'aurais dû mettre un clin d'œil, Antoine. La seule chose qui est bloquée sur cette chaîne, c'est les clins d'œil. Parce que j'ai envie de ban tous ceux qui en mettent. Oui, mais alors, l'avocat du diable, Nat aussi fait souvent l'avocat du diable. Moi, ça me casse les couilles, les avocats du diable. À un moment, ça me casse les noix, les avocats du diable. Parce que, merde, quoi. Pardon? Ouais, j'arrive pas à ça. J'arrive pas à ça. Je reviens, je vais prendre de l'eau.
Et heureux. Cette organisation est ancienne, qu'un Romain ait fait la fortune en vendant les excréments de l'humain aux agriculteurs. Ah, ok. Bon, après, ça, pour le coup, bon, ça fait, si ça fait du compost, en vrai, pourquoi pas. Hein. Salut Vince. Point d'exclamation D4, Idan, si tu veux savoir pour comment pour les PC, hein, pour les giveaways de PC. Hein. Alors, donc. Ici, on met la galva. Là, on met l'écrit. Alors, j'ai plus, par contre. J'ai la charge. Ah, j'ai la poigne de fer. En vrai, ça, c'est stylé. Hein. Je vais pouvoir grappler mob. Bonjour, Jackers. Il y a du monde qui a eu son ticket pour le troisième. Alors, pour l'instant, vous êtes... Pour ce soir, pour l'instant, il y a 355 participants. Et pour le PC, pour le troisième, pour l'instant, sachant que le giveaway, enfin excusez-moi, le tirage au sort du troisième PC sera fait mercredi à 20h. Et il y a 153 participants pour l'instant. Sachant qu'il y a encore lundi, mardi et donc mercredi, donc 3 jours. Voilà, il y a encore de quoi faire. Ce soir, alors je pense qu'on sera 400 plus, à voir. On verra. Ah oui, il y a du monde, oui. Il y a du monde, il y a du monde. J'ai faim pour le troisième. Ah bah. Bernard, Théodore, Véronica sont là pour ça, Silver. Hein. Si tu les connais pas, je t'encourage vraiment à faire leur connaissance. C'est un peu les meilleurs amis des farmers de la chaîne. Hein. Bonjour Roxlayer. Bon, je vous laisse grouper. Hein. Moi, je vous suis. Je ne suis que le sac de frappe qui vous suit. En position. Ah oui. Viens voir l'écran. Bon, avec plaisir. On n'a pas ta régie, Pierre. La régie de Buffalo. On va aller faire du gros donjon, le chat. On va pas faire du gros donjon, le chat. Un petit donjon alors. T'as testé l'archer avec ton unique, c'est ça? Ok, stylé. Bah écoutez, vous allez pas avoir un gameplay. Ah bon? Ah, parce que je m'avais bien dit, je suis pas fou. I'm not crazy. You told me so. Attends. Moi je. Tu veux une combien max? C'est pour tester. Une combien max? Tester. Moi, j'ai 7 ou 10. J'ai 17 ou 7. On va tester 7. Allez, on va tester 7. Bah, c'est moi qui ai lancé là. Faut attendre par contre que. Ouais, j'aimerais bien, mais il n'a pas accepté l'invite. Bah oui, j'étais en train de. T'as pas vu que j'étais pas sur le PC? J'étais une partie. J'ai already une telle partie. J'ai pas encore. Allez, on fait une petite 7. Trio, s'il te plaît, s'occupe. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Donjon du cauchemar, il est où? Ah, ok, c'est par là. Pas du tout. J'y vais, moi. Et oui, pour ceux qui n'avaient pas vu la LAN, voilà l'intérêt de cette LAN. C'est la régie. La régie de la LAN qui vous permet de voir nos trois points de vue. Donc vous allez voir Azelos, donc là, qui est en voleur, mais donc archer temporairement. Juste pour tester. Buffalo qui est. Buffalo toujours en druide de Tornado. Et donc pour ma part, qui sera en tank buffer. Je suis devant si vous voulez prendre mon portail. Petite trotte quand même. Ah non, tu peux passer par au-dessus, Charlie. Effectivement. Ah, j'avoue. Prédiction en cours. À vos points de chaîne pour ceux qui veulent parier un peu des points de chaîne là. Qui va être le premier à mourir? Azelos, Buffalo ou SK? Quand on parle de mourir, c'est tomber à terre. C'est pas Orez, hein, c'est vraiment à tomber à terre. Azelos, Buffalo, Wesker. Petite prédiction. Ah, je vais pas aller non plus. Moi, c'est une 7, donc bon.
Découverte d'objets magiques, ça c'est stylé en vrai. Glacial, putain. Et ombre sur les monstres. Dégâts d'ombre sur les monstres. Mais glacial par contre. Petite. Tout le monde est là? Ouais, c'est parti. Je rentre dedans. Mourrez pas tout de suite. Petite prédiction. La prédiction sera annulée si quelqu'un meurt avant la fin de la prédiction. À vous de participer avec vos points de chaîne. Si vous voulez jouer un peu. Ah, c'est stylé, j'ai du. Je peux les grab maintenant. Je suis le boucher, je suis le butcher. Je peux grab les mobs. Et si personne ne meurt, prédiction sera annulée. C'est pour ça qu'on aurait dû mettre personne en vrai. C'est pas grave. Je pense que quelqu'un va mourir. Avec le glacial, ça peut vite arriver. Quoique, après une 7, c'est vrai que c'est pas sûr. Ouais, annule la prédiction dans ce cas, Soccer. Annule, effectivement. La prochaine. En vrai, on partira, on l'organisera un peu plus tôt. Ouais. On fera les petites prédictions. En vrai, les petites prédictions comme ça, ça peut être sympa. Vendu. Annule là, et on en fera une. Prochain donjon, ce sera plus au niveau, on en fera une. Et donc, il y aura les 4 choix, effectivement. Voilà, la 7. Putain, moi, avec mon tank, avec mon build, là, je suis immortel. Hein. On est immortel, les gars. Ah, nice, event. Hop, tous ces connards. Je fais pas les masses de dégâts. Par contre, je suis vraiment. T'es à combien de points de chaîne là, Nina? Tiens, Nina, d'ailleurs, tu vas devoir réfléchir à un truc. Pareil, Bamut et Sige, parce que vous êtes là, mais c'est la même chose. Quel serait le truc que tu veux le plus parmi les lots? Soccer, je t'avais envoyé des images ou pas au final? Je me rappelle plus. Les images d'Elo, je sais plus du tout. J'ai eu une erreur, c'est produite. Oui, c'est normal, on a annulé la prédiction, Happy. Parce que là, elle était. Désolé, c'est pas ma chance au cœur. Elle était mal faite et on a fait trop à l'arrache. Juste la liste, d'accord. Ouais, je sais, Nila, on a pas. Je crois que j'ai pas les envoyer à ce cœur. Avec les. Avec les horaires, j'ai mal assumé quoi que ce soit. Bon alors, Azelo sur DPS. On fait même pas les 5 vagues. Nul, nul, nul. Ah, full crit. Là, ça va DPS, là. Ras le bol du casque. Voilà, en 7, effectivement, on se balade. Oh, ma bulle à proc. Ouais, la bulle, c'est. Il suffit que je perde 20% de vie, hein, c'est pas beaucoup. C'est pas les masses, pour le coup. Ah, ressens-tu, onde de choc. Let's go. Et non. Moi, c'est à moi de le faire, je trouve moi qui tape le moins. Putain, l'onde de choc, il fait les 30 000 en AO, c'est n'importe quoi. On a eu la clé, on ouvre la porte. Pas un mini-boss là ou un boss pendant qu'on a le sanctu là? Go go là. Petite élite là, quelque chose là. Ah j'ai un élite, nice. Ah le sanctu qui a eu le temps de le taper hein. Nice. Tu saurais pas dire si tu les ressens ou pas au final mes buffs Lucas. Ça fait tellement éclater là. Ça le fait régène de points de vie, résistance aux dégâts, fortification, parce que j'en ai 100 en plus. Et je sais plus quoi d'autre, tellement de trucs. Il y aura une shit buff. Voilà. Vitesse d'attaque, vitesse de déplacement. Vitesse d'attaque, je sais pas, vitesse de déplacement, oui. Dégâts supplémentaires. Leurs paroles résonnent dans l'esprit. Chaque vie est un sacrifice. Chaque vie. Moi j'ai vraiment bien l'aggro. Hein. Tu fais mal en vrai, hein, quand même, ça va. Hein. Avec un petit truc. Et donc le fameux unique, alors il fait quoi de beau? D'accord. Ok. Ah oh, ouais, ok. D'accord.
Merci beaucoup Tag pour le 6ème sub offert et qui permet à Crooks de rejoindre la team. Merci beaucoup pour lui. C'est pour moi. Et on va passer en 2020. 2020, c'est une belle année. Ah, c'était où? Oh, GG. Tu me mets Buffalo en plein écran, s'il te plaît, Socure. Il va nous montrer ça. Attends, on se tape encore un peu. Quelques petites araignées qui traînent. Arrêtez de bouger deux secondes. Ah. Vas-y, Buffalo, vends-nous du rêve. Alors, Great Stone, Great Staff of the Crown. Mais pas The Crown, je sais pas ce que ça veut dire, Crown. Parce que c'est pas, pas en mode couronne. C-R-O-N-E. Crown, c'est des sorcières. Oh, comment tu connais ce mot? Ah, mais parce que tu joues en anglais, putain. Ah, c'est la traduction littérale, c'est la vieille bique. C'est les vieilles biques. Non, 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 pas Crowd dans Groupe. Merci, je. Crone. Crone. Et c'est en fait vieille bique, vieille femme. Donc, c'est quoi son nom? Claw is now a storm skill. Oh! Also cast storm strike. Ça a l'air pas mal, non, pour ton truc? Ou pas du tout? Putain, mais Pookie. Sinon, on part à 15h, donc effectivement, on arrivera vers minuit. Mais quel gros sac, Pookie. Ah, il y a eu une belle nouvelle, par contre. C'est horrible ce que je veux dire. Mais c'est horrible, mais c'est vrai. J'aime bien ce sketch-là. Berlusconi est mort. Silvio Berlusconi. Est-ce qu'on est sûr? En même temps, il était bien vieux. Belle saloperie, ça. Fait du mal à tellement de gens. Ouais, mais... C'est vrai. Pour le coup, on va pouvoir fêter aussi le sabaton aujourd'hui. Enfin, en tout cas, le sub goal réalisé. Et on est donc en 2020, cher Hubert. Ça a été une belle année pour 2020. C'était l'année du Covid. Pour le coup, moi, c'était une année fabuleuse. Hein. Qu'est-ce que c'était bien, le Covid. Je suis désolé. Alors, par contre... S'il y a des gens dans le chat qui ont eu des décès, qui ont été malades, Nina, coucou, très malades ou autres à cause du Covid, aucune méchanceté, aucune insensibilité ou autre là-dedans. C'est vrai que pour le coup, aussi horrible que ce soit pour des... Il y a eu des millions de morts ou des centaines de milliers de morts, je sais plus. Je sais plus si c'était en millions ou en centaines de milliers. Millions, je crois. Je crois que c'est millions de morts. Il y a eu effectivement millions de morts, mais alors il y a eu aussi des choses très positives. C'est horrible, hein, mais il y a eu des choses positives pour l'humanité, quoi. Temps pour la planète. Et c'est vrai que ça a remis en question, je pense, beaucoup de... Pour combien de temps, j'en sais rien, mais ça a remis en question beaucoup de gens sur leur appréciation, en fait, de comment ils vivaient. En gros, que dès qu'ils sortaient de leur métro boulot-dodo, en fait, être chez eux, je pense que beaucoup se sont rendus compte de leur incapacité, justement, à rester chez eux. Il y a dû y avoir aussi une chier de divorce. Beaucoup de couples conduiront. Quand tu vois les témoignages des mecs ou des meufs qui étaient avec leur famille à la longueur de journée, qui étaient en mode je vais tuer mes gamins, blabla, parce que d'habitude les gamins ils les foutent à la crèche ou autre. C'est ça. Salut Obis d'Alec. Montage de mon PC en 2020 pendant le Covid, je l'ai payé trop cher. Ah ça, tu m'étonnes. Le petit plaisir. Ça leur prend l'aggro. Ah, mais Pierre a l'aggro. Après, ouais, Pierre aussi est immortel là. Voilà. Après, là, le boss, ouais, il a pas beaucoup de chance là. Alors, tu l'as mis ou pas ton unique ou pas encore? Ouais, tu le. On va voir ça. Le druide tornado. Putain, le pauvre mob. Bon, plus 7, c'était quand même tranquille. Ah, la bubule. Ça fait beaucoup. Ça devrait aller. Améliorer un glyphe. Bah oui. Ah, il manque un d'XP pour qu'elle prenne un level, ma glyphe. Un peu, ouais. Faut-il avoir une 15? Après, je peux la recrafter, hein.
Ok. Alors. Petit point de paragon. Oui, de la dextérité. C'est oui. C'est oui. Ouais, et surtout après, voilà, je vais avoir ça là. Ah non, j'ai pas encore assez, putain. 141 sur 160 de dextérité. Mais c'est pris ou c'est en général? Ah ouais, non, c'est en général, ok. Ah ouais, donc faut que je prenne encore celui-ci. Merde, je vais pas avoir assez. Attendez. Et le monde de dextérité, j'en ai raté ou pas? Ah merde. Pas parfois que j'aille jusqu'à là-bas quand même, quel enfer. Là, je vais avoir 5, 5, 10. On tente. Je lance. Au pire, non, moi je vais bien faire une 15 d'abord. Ça m'entraîne un peu avec mon build, ceci dit. Mais je vais la crafter. Au pire, je la crafte, hein, pas de soucis. On a eu quoi là? Tiens là. Hop. Il y a le. La prédiction là, vous avez tout votre temps, le chat. Moi j'ai la 17. 17, c'est pas mal en vrai. Je la lance. Prédiction, mesdames et messieurs. Le donjon, on attend la fin de la prédiction, c'est ouvert. Ah putain, il y a un TP juste à côté en plus, parfait. Voilà, donc, vous avez le choix entre la prédiction, donc premier à mourir, Azelos, Buffalo, Aiskay ou personne. Bah, au final, la personne est morte, si pas de bêtises. Donc là, ça aurait été effectivement personne. À vos votes. À vos votes. Non, pareil, bon, ils sont là pour ça. Merde, j'ai perdu le jeu de donjon avec tout ça. Il est. Fuck. Il est où ce con? En haut? Je sais pas. Je le vois pas, mais je suis gogol ou. Ouais. Je le... Ah, c'est là. Il reste encore quelques secondes pour voter. À vos votes, actuellement, il y a 20 000 points de chaîne sur Azelos, 8 000 sur personne, 2 000 et 2 000 sur Buffalo WSK. 10 secondes. 10 secondes pour voter. Qui va mourir en premier? Qui va gagner une chaîne de points de chaîne? Allez-y, je vous rappelle, vous pouvez mettre un montant personnalisé, vous n'êtes pas obligé de mettre 10 par 10, parce que sinon c'est vraiment horrible. Les prédictions. Et 5, 4, 3, 2, 1, fin des prédictions. Alors, les gens parient. Alors, les gens ont parié 40% sur Azelos, 30% sur personne, 23% sur moi et 7% sur toi. Les gens ont confiance en ta survie, Lucas. Pierre. Lucas, ils n'ont pas confiance, par contre. J'ai même pas regardé. Il y a un rocher, il y a affix 1, affix 2, affix 3. Alors, les affixes, c'est plus de loot en bien. Tuer un monstre libère une impulsion électrique, mortel après un court délai, dégâts d'ombre sur la durée des monstres, et résistance des monstres aux effets de vulnérabilité. Ah merde. Et c'est parti, cher Uber, c'est parti. Ça tombe plutôt bien ce matin, le replay des copains. Ils doivent être à 25-30 FPS, c'est pas trop mal en vrai. À suivre. J'ai all-in sur personne, assuré les potes. Ah bah ça... Tu pourras pas te plaindre ensuite si tu perds des points de chaîne. Hein. De toute façon, on joue toujours au mieux qu'on peut. Est-ce que ça veut dire bien? Je ne sais pas. Mais on joue toujours du mieux qu'on peut. Et bah voilà. Oh le karma. Et ben voilà, la prédiction, c'est donc moi qui meurs en premier. J'ai fondu. Let's go mon champion. Et merde, je suis désolé. Oh la vache. Et GG, fin de la prédiction. En vrai, on en fera à chaque donjon, ça peut être rigolo. Alors faut pas forcément all-in, hein. C'est pour ça que les... Ah, c'est les... Ah, il y a les petits... c'est les petites saloperies vertes, là. C'est les petites saloperies vertes, là, qui font très très mal. Ah, putain. Mais on meurt sur des sangliers ou des mouches, quoi. Jeu de con. Et GG Suicidal. Suicidal qui remporte le gros lot avec d'autres personnes. Salut Gladou, salut Arijar. Wouah, il y a des tatanes qui partent parfois. Fener, je viens de remarquer pour l'ombre de ton personnage. L'ombre de mon personnage.
Qu'est-ce qu'elle a dans ton perso? Elle est toujours dans ton dos. Tu remarques des trucs palpitants, déjà. Harry, tu as toujours l'œil pour des choses palpitantes. C'est ça. Ah, Nina, toujours. Moi, ça, t'es. Je vis pour servir. Mais putain, des emotes de con! Un jour, quand j'en allais à la foire, elle est dans le truc. Non, je vais. Je libère le monsieur. Ouais, les deux cas, c'est pas intéressant, GG, merci. Donc t'es peut-être juste un génie, hein. Ou peut-être que le voleur est juste un bien pété. En vrai, maintenant qu'on est trois, peut-être que je pourrais aussi tester une super DPS, à voir. Je sais pas. J'ai l'impression que je me ferais éclater, quand même. Hein. Quelque comme ça... Parce que la pierre, on est d'accord que t'as une chier de trucs, je pense, en résistance, quand même. Ah, y'a la démo de FF16, alors ça, par contre, on testera, pour le coup. Là, y'a pas... Elle est là jusqu'à quand? Il y a une date limite, non? J'ai suicidal. Au pire, comme ça, si te manquait les points, je fais gaffe, tu les as pour les tickets de PC, là. Je sais pas si t'en manquait. Je vais m'occuper de libérer les prisonniers. Occupez-vous des mobs. Elle a pop à 10h, aucune date limite. Bon, bah, alors on la testera, je pense, au retour à Célestat. De toute façon, j'ai pas la PS5, là. Donc, on la testera au retour de Célestat. Ah, les flèches! Nice. Ah, ta mère! Save transférable pour le jeu complet, d'accord. Oui, bon, après, ça prend un part, c'est pas mon délire. Mais en gros, oui, c'est vrai que les gens qui veulent prendre leur temps comme ça sur la démo, ils peuvent le faire, quoi. Ça, c'est cool. J'ai une tendance à recommencer, ouais, mais bon. Faut pas sous-estimer les mouches, c'est violent le choléra. C'est vrai! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais là, on a pris. Ah, les mouches, elles picotent, hein. Les mouches picotent. Bon, après, je suis quand même bien underlevel par rapport aux copains. Hein. Ils sont 61, je suis 54. Hein. 7 levels d'écart sur les mobs 110 pour le coup. Ça joue quand même un peu, mais. Ouais, j'ai senti passer le truc. Hein. Un étranger pâle se prénommant Elias